Et salut les gars, super content de vous rejoindre ici. On est sur Heroes Legacy 2023. On a eu le temps de converser un peu dans la journée, de se voir hier. Vous êtes City Manager, vous êtes une bande de potes qui avait créé un outil superbe qui sert aux joueurs. Pour tout novice, je vous invite à aller checker et même expérimenter parce que on est sur de la création de deck, on est sur du partage. Et encore, vous avez changé votre site, donc il y a des choses qui se mettent en place. Hein, et c'est que le début. Présentez-vous un à un, s'il vous plaît, qu'on vous connaisse, qu'on mette un visage sur les pseudos. Ok, pas de souci. Donc, moi, c'est Mathieu, alias Auxilia. Je suis donc développeur back-end sur la partie City Manager. Ok. Moi, c'est Pierre, alias Bob Volt. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est la vision du projet, les choix, les avancées et tout ce qui est les relations extérieures avec la communauté. Alors, moi, c'est Joyce, alias... comment tu le prononces ? Jamais, j'arriverai jamais à le prononcer, mon pseudo. C'est Ushaka. Voilà, moi je suis dev front. Non mais j'arrive pas moi à faire ça. C'est pas grave, t'inquiète. Et bonjour, salut, moi c'est Julien alias Tikea. Et du coup moi je suis sur toute la partie administration, que ce soit administration serveur ou administration des outils. Okay. Voilà. Super. Pierre, on va commencer par toi, parce que moi, je suis étranger à votre domaine, hein, que ça soit clair. Et je pense que les gens, ils sont sur votre outil, ils le manipulent, mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière. Tu es à la base du projet, en quelque sorte, par ta vision. Dis-moi en plus sur ta position, et puis moi, je te laisse parler. Let's go. Alors en vrai, si tu es un manager, ça a démarré dans ma tête dès le début, quand ce dingue a fait... a sorti une application qui permettait de jouer au jeu avant que le jeu ne sorte et dont on pouvait bénéficier et c'était vraiment quand j'ai vu le potentiel, je me suis dit j'ai une passion pour l'éducation, pour l'enseignement, et donc je me suis dit il y a vraiment un potentiel sur ce qu'on peut créer pour aider les joueurs à progresser et à se développer. Alors il a fallu beaucoup de temps pour se connecter, mais voilà, on s'est aujourd'hui on a vraiment une team soudée et notre objectif c'est de permettre aux joueurs de progresser, que ce soit des débutants qui cherchent à rentrer dans le jeu, qui veulent comprendre les decks qui peuvent les aider à gagner, qui veulent comprendre les bases du jeu, ou que ce soit voilà, du top ladder qui veut réfléchir et avoir des nouvelles idées de stratégie, que ce soit également des influenceurs qui cherchent à faire connaître au plus grand monde les nouvelles stratégies qu'ils ont développées. Et d'avoir ce lieu où on peut réunir tout ça et où on peut créer une scène compétitive de plus en plus forte autour de CTA, puisque c'est destiné à être un e-sport, et qui puisse permettre aussi aux nouveaux joueurs vraiment de rentrer et de faciliter en fait leur rentrée dans un jeu qui est assez complexe au final. Vous avez créé ce projet pour transmettre parce que vous êtes dans le partage de connaissances. Et vous-même, toi Pierre en l'occurrence, t'es joueur aussi ? Alors moi je suis joueur, je suis joueur de nature, j'ai pas mal joué au début. Là j'avoue que plus on avance, plus on a des idées, plus on a l'ambition, moins j'ai le temps de jouer, je vais être tout à fait honnête, même si je kiffe les TCG. Par contre, c'est sûr que construire, c'est aussi une forme de jeu, tu vois, donc je joue aussi de cette manière-là. Bien sûr, d'accord, ok. Ben, c'est un plaisir de mieux te connaître. On va passer à Julien. Qui a un autre rôle, est-ce que tu peux nous Exactement. Le présenter aussi, parce que encore une fois, tu vois, alors, tu me dis ton job et moi ça me... Alors en fait voilà, c'est des choses qui et puis, sont... Et puis en plus moi je suis dans la partie cachée, c'est-à-dire que moi on ne voit pas du tout, je suis pas ce côté où mon travail se voit en fait principalement, parce que je vais surtout moi accompagner les devs derrière, c'est-à-dire bon, la partie administration réseau c'est vraiment mettre en place les outils sur le côté matériel. Pour qu'eux puissent justement travailler dans les bonnes circonstances. Après, derrière, je vais être surtout un accompagnateur, en fait, pour justement les suppléer. C'est-à-dire quand il y a besoin de travailler sur des bases de données, quand il y a besoin de travailler sur de la traduction, quand il y a besoin de travailler sur un petit peu de design ou comme ça, je vais être là justement pour les aider et moi mettre en place après, derrière, tout ça, pour que derrière, ça, au final, voilà, il n'y ait pas de soucis et que visuellement, en fait, les gens, vraiment, ce soit agréable pour les gens derrière qui viennent sur le site. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il faut comprendre un truc, c'est qu'un serveur, tout le monde peut créer un serveur directement sur son PC. Le problème, c'est que plus il va y avoir des utilisateurs qui vont arriver, plus il va y avoir des latences et donc des ralentissements.
Moi, mon but, justement, c'est d'éviter tout ça, donc de mettre en place des systèmes pour justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de flux sur notre site et justement que ça tienne le coup. Et voilà. Dans ton rôle, qu'est-ce qui pourrait être le plus problématique? Un afflux de joueurs, d'utilisateurs? Alors, là, actuellement, c'est plus surtout plus par rapport aux bases de données. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport aux applications de Mathieu, les gens vont les utiliser, vont être dessus. En fait, là, c'est du live. Les gens sont en train d'être live sur l'application pour faire tourner cette application. Okay. Et là, ça demande de la mémoire, ça demande des ressources. Et là, il faut que le serveur puisse tenir justement. Plus il y a de gens, il faut que ça tienne. Ok, d'accord. Voilà. Ok, super intéressant. Donc voilà, et sinon après, je m'occupe de l'administration Discord. J'essaie de créer les outils de liaison aussi entre Discord, le site, comme disait Bob aussi, avec les streamers, tout ça. Voilà, on essaye d'accompagner justement toute cette partie-là aussi. Ok. Voilà. Super. Joyce ? Oui. Alors, dis-moi en plus un peu. Ouais, j'ai un peu de mal. Alors, ça va être plaisir. On échange naturellement. Ouais, c'est gentil. Ouais. Alors, moi, je fais toute la partie qui est visuelle du site. Oui. Tout ce que vous voyez, c'est moi qui le crée, avec Julien qui m'aide aussi énormément, parce que toute la traduction, comme il disait, tout ce que tu fais, on le voit aussi, toute la partie guild qu'il a préparée. C'est super ce qu'il a fait. Voilà. Moi, je suis plus sur la partie un peu plus technique de ce qu'on voit. Par exemple, tout l'espace communautaire des decks, le visuel. Voilà, c'est plus ça. Donc, voilà. Tu vas, imager ça, tu vas coder pour que le site ait telle taille de texte à tel endroit. C'est ça. C'est ça, okay, c'est de ma faute si ça passe pas sur le téléphone. T'as dit quoi ? C'est de ma faute si ça passe pas sur le téléphone. Okay. Voilà, ça c'est moi. Et d'où tu tires l'inspiration pour construire chaque encart, par exemple quand tu tombes sur le site, pour avoir cette petite présentation sur fond noir. Ensuite tu déroules et tu as décidé de mettre cet outil est gratuit. Comment tu fais tes choix ? Alors les choix, c'est surtout que j'en fais 10, 15, 20. Et c'est suivant après la présentation que moi je trouve la meilleure. Après je leur demande leur avis évidemment, comment est-ce qu'ils trouvent, est-ce que c'est mieux. Voilà, on est quand même une team, donc du coup, voilà. Bon, après il y en a, je leur cache, hein. Je suis obligé parce que sinon ils vont me dire non. Donc voilà, mais j'essaye de faire le plus logique. Ok, parfait, merci. Allons-y sur toi qui a les. Eh ben ouais, on va dire sur le derrière des applications. C'est un peu ça, ouais. J'ai un peu créé le jeu avant. Voilà. En gros, je suis arrivé donc chez Arc comme simple joueur à l'origine. Et tout simplement, je voyais le jeu qui allait arriver. Ça m'a vraiment botté, en fait, hein, tout simplement. Direct. Et, direct, en fait. Et derrière tout ça, enfin, derrière tout cet afflux de gens qui arrivaient chez. Chez GAM à l'origine, chez AI, chez Arc, je me suis dit pourquoi pas essayer tout simplement de faire l'application. Donc j'ai essayé, j'ai fait un premier test que j'ai montré à Bob. Bob m'a dit waouh, voilà, c'est sa première phrase exactement. Voilà, donc ouais. C'était assez drôle. Et puis ensuite on l'a développé, on a réussi à faire un petit tournoi justement avec les Arc justement. Où Happier justement avait gagné et Mister Regem était deuxième justement. D'accord, il était déjà là, hein, ce petit, hein, okay. Tu vois, depuis le début, ouais. Il était déjà là, donc voilà, donc c'était vraiment très impressionnant de voir des gens donc jouer là dessus et après le jeu est sorti. Et au moment où le jeu est sorti, on s'est dit il va falloir créer des outils, et c'est là où on arrive justement à City Manager, où justement ces personnes donc ont appliqué, donc Julien et Joyce. Et donc justement, donc on a commencé à développer ces applications, on a commencé à développer donc l'outil de deck builder à l'origine, qui a été demandé énormément par la communauté. Voilà, la possibilité de simplement de faire son deck même si on n'a pas la carte. Oui. Donc voilà, donc préparer les rents quand on pourra les. Préparer les rents, préparer tout simplement les achats de cartes. Ouais, les achats tout de simplement. Cartes aussi, hein. Savoir est-ce que si j'achète cette carte-là, est-ce qu'elle va rentrer dans mon deck? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Voilà, pouvoir justement récupérer le code des decks, le mettre sur le jeu, faire aussi le contraire. C'est plein de choses qui nous ont été demandées donc, par la communauté. Oui. Et donc, on a réussi à le mettre justement sur cette application. Et c'était vraiment la première application qu'on a mis à disposition. Et là, sur la V2, en fait, on a sorti donc, une application, donc le Training Tool. Et là, en fait, ça a été un peu plus complexe. Parce que là, on est parti sur un logiciel qui va justement recréer les parties. On va vraiment être sur une possibilité de refaire ces parties
de revenir en arrière au niveau d'une d'un historique. Donc on a la possibilité d'avoir un historique, hein, de refaire la totalité. On imagine qu'on a notre partie, chaque page, chaque tour qui passe, revenir dans cette partie. Exactement, vous pouvez aller jusqu'au 8e tour. Pour faire un choix différent. Exactement, et puis après revenir au 2e tour et puis recommencer. Okay, exactement, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, avec toutes les cartes du jeu qui existent. Okay. Donc c'est vraiment... Il y a énormément de possibilités, énormément de façons de voir un peu le jeu et de créer ses stratégies. Okay. Et c'est là en fait où justement on a commencé à partir un petit peu dans des délires, on va dire, parce que vraiment on est parti vraiment sur des choses incroyables, parce qu'on est parti avec Immutable après, où on est allé chercher le prix des decks, on est allé chercher le prix des cartes. Avec Joyce, on est parti à faire donc, une autre application au niveau du serveur. C'est pour ça que Juju est extrêmement important dans cette partie-là, où le serveur, on lui en demande énormément. On demande énormément de ressources au serveur et Tic arrive vraiment à gérer cette partie-là. Voilà, et on a la possibilité vraiment de travailler comme ça en symbiose, et on est vraiment une équipe, voilà, qui est là pour la communauté. Et je le répète, en fait, c'est vraiment pour la communauté. Oui, c'est vrai, ça se voit là, parce que moi, je vous ai vu hors interview. Vous me faites délirer, c'est trop cool. Mais là, ça se voit que vous êtes passionné, bien focus sur ce qu'on a à dire. C'est extra. J'aimerais qui répond, celui qui veut, hein, aux questions. Quel est le projet, la suite de l'évolution de votre site, de votre, de vos applications, etc. Comment ça va se diriger là? Alors, par rapport à ce qui a été annoncé. Ouais, c'est bon. Un principe chez CTA, c'est de litiger quelque chose. On ne peut pas donner trop d'infos pour l'instant, okay. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la troisième application qui va sortir en 2024, c'est un voire deux niveaux au-dessus, d'accord, de ce qu'on a déjà sorti. Non seulement en termes de qualité, mais surtout en termes d'utilité pour les joueurs. Okay. On a écouté le feedback. Ouais. On a écouté le feedback pendant longtemps, on a tout pris et on pense qu'on a trouvé quelque chose qui va vraiment pouvoir intéresser la communauté. Super. Et un autre élément aussi important, c'est qu'on a beau être une équipe super soudée, ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres personnes. Et ça ne veut pas dire qu'on est fermé à des collaborations, à des coopérations. On est un outil communautaire. Et c'est, tu parlais de ARK tout à l'heure, et c'est vrai que ça s'est créé à travers la guilde ARK, mais c'est devenu CTA Manager. Et CTA Manager, ça n'est pas ARK. Et ça, c'est un truc à comprendre. Il y a énormément de gens qui font la confusion et qui disent « Ok, ah oui, vous êtes l'outil de ARK. » Et oui, certes, ça a été principalement créé par des membres de ARK, mais tu regardes là, ça c'est un t-shirt gamme, tu vois. Et c'est pas juste ça, c'est que c'était un manager et destiné à la communauté. C'est pas destiné à un truc qu'on garderait chez nous, pour nous, pour abuser des autres. De toute façon, on l'a vu ici sur les guildes, hein, c'est bon enfant, toi. Exactement. Là, on est dans le partage. C'est juste que tu as besoin de connaître des gens pour construire une relation de confiance, ouais, et ensuite construire ensemble. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc là-dessus, très clairement, on est ouvert. S'il y a des gens qui sont motivés, qui sont intéressés, qui ont un peu de temps, un peu de talent, qui viennent me voir, Bob Vol sur Discord, ou n'importe quel membre de CTA Manager. Et très clairement, on a pour ambition et pour plaisir d'essayer de vraiment régaler la communauté avec des outils cool, ouais, pour l'année à venir et les années qui viennent. Ok, c'est parfait. Et je voudrais juste rajouter une chose pour information. On aimerait énormément avoir du feedback en fait de la communauté. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Voilà, aussi. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important, ouais, en fait, au niveau application. Si on n'a pas de feedback au niveau des applications, on va avoir juste des retours de nous ou de quelques personnes, voilà, de certaines personnes qui nous suivent. Il faut un plus large donc, public. Voilà, c'est ça. Et donc l'outil ne peut pas évoluer. Ouais. Plus on va avoir de feedback et plus ça va évoluer. Comme je l'ai dit souvent au niveau du HL, donc aujourd'hui, plus on a de feedback constructif, plus ça va fonctionner. Et mieux ça sera. Parfait, parfait. Moi, je suis vraiment content. Je pense qu'en une question, t'as d'autres choses à dire, Bob ? Non, juste te remercier pour le travail que toi, tu fais. Voilà. Ça fait plaisir. Ouais, merci. C'est bien d'échanger en simplicité. Mais carrément. Et là, franchement, l'événement, il est incroyable. On vit des moments super de rencontres. On a eu des annonces top. Ah ouais, c'est fluide. Des annonces fou, d'ailleurs. Ça a été super. Au niveau des annonces, désolé, hein, je reprends le micro, mais au niveau des annonces, merci Cross the Edge et merci Samy. Hein. Ah oui.
pour tout ce qu'ils font. Et après, merci à eux parce qu'ils nous donnent du boulot sur City Manager, mais c'est affreux. Et ça me fait venir une autre question qui est super importante. Super importante, c'est que par rapport à l'évolution qu'amène le jeu, tous les changements, c'est un gros taf d'aller modifier tout. Parce que je pense que je vais répondre. Alors oui, c'est un chaque énorme. Fois, ça demande une remise en exactement. Question. Exactement. Alors, ce qui est bien, c'est que là maintenant, comme l'a dit Samy en fait pendant le HL, c'est que les bases sont claires, elles sont fixes maintenant. Et ça, c'est une grosse avancée parce qu'avant en fait, on avait des bases qui n'étaient pas fixes, donc on devait refaire complètement la structure du code et la structure en fait du logiciel. Donc c'était très compliqué. Là maintenant, la structure est faite, on est tranquille. Et donc là, ça va être plus des ajouts ou des petites modifications. Ouais. Donc ça va être dur. Il va y avoir encore une fois des modifications à faire au niveau des logiciels, mais c'est mieux. Ouais. C'est mieux qu'avant. Ouais. Et clairement, vu ce qu'on nous a montré aujourd'hui, je suis très hypé. Ouais, et je pense que tout le monde est hypé. C'est un truc de fou. Bon bah merci à vous quatre. Hein. Super. Merci à toi. À bientôt. Hein. À bientôt. À très vite. Merci à toi. Super.